Et salut les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Spider-Man sur PS4. On va continuer un petit peu la petite aventure qui a l'air plutôt sympa pour le moment. En tout cas graphiquement, très très beau. À de là dire une claque, peut-être pas jusqu'à... Peut-être pas jusqu'à là, mais quand même très très beau, un monde qui a l'air assez, assez vivant. Et donc, dans la première vidéo, on avait eu... alors, je sais pas si c'était un prologue. C'était une catastrophe. Mais Pourquoi le filtreur a pas marché? on était allé botter les fesses à Je veux comprendre ce qui s'est passé. Wilson Fisk. Donc voilà, et ensuite on a dû aller donc à notre travail apparemment. Peter travaillerait apparemment avec le docteur Octopus. Donc on avait vu hein, dans la petite cinématique de début. Je crois qu'on doit avoir des modèles de tous les types de prothèses possibles. Qu'il essayait de faire fonctionner justement bah, ses prothèses... avec les quatre bras mécaniques caractéristiques du personnage, mais qu'il y a eu un petit défaut. Et donc du coup on s'était arrêté là. C'est fou comme la prothèse a évolué. Je me rappelle quand notre prototype était fait de pièces que j'avais récupéré sur un micro-ondes. Oh, t'es pas en grande forme toi. Ok, on peut bouger le bras, c'est sympa, mais c'est tout. Ok. Voyons d'où vient le problème. Alors, il faut qu'on répare le bras, très bien. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires si cette aventure... vous plaît et que vous avez envie que j'en fasse plus, et pourquoi pas bah faire un live hein, un soir. Le circuit a grillé. Alors, oh, c'est pas vrai. Si le contrôle électrique du bois est endommagé. Appuyez sur X pour continuer. Établissez une connexion entre la pièce de départ verte et la pièce d'arrivée orange. Ok. D'accord. Ok, donc on a ça, on peut... Ah, ok, attendez. On va... Alors, attends. Ok, je comprends pas trop. Alors, je veux pivoter, ça veut pas. Très bien. Ok. Ouais. Alors, il y a un cadenas dessus. Très bien. Ah, d'accord. Donc, on va prendre ça. Voilà, d'accord, très bien. On va pivoter. Ensuite, on va en mettre un autre ici. Voilà. Ensuite, là, on va en mettre un ici. Ici, on ne peut pas en mettre un. On va en mettre un comme ça. On va en mettre un comme ça.
Ça y est. Voilà, ok. Bon, rien de compliqué. Voyons, alors, le deuxième. On redirige les commandes du cerveau moteur. Certaines pièces ne permettent de connexion que dans des sens spécifiques. Ok, très bien. Alors, il faut qu'on parte de là. Donc, je suppose qu'il va falloir partir d'ici. Ouais, alors on va faire ça. Ici, on va faire comme ceci. Ça, on peut pas le pivoter. Non, alors. Attends. D'accord, le courant ne passe pas ici. Ok. Donc celui-là, on va le retirer. Ok. Donc. Ça, il va falloir. Ouais, donc ici, on peut pas. Ça, on peut pas le pivoter. Très bien. Donc, je ne vois que ça à faire. Comme ceci. Ensuite là. Voilà. Ici on va en mettre un comme ça. Ah voilà. D'accord, fallait tourner. Ici on va en mettre un. Ah oui, il n'y en a plus comme ça, pas comme celui-là. Ah oui, d'accord, ok. Donc, bah donc, du coup, c'est pas bon. Alors, ici, on va mettre... Voilà. Ici... Ok. Ici, on va en mettre un comme ceci. Le courant ne passe pas là. Alors, celui-là, on va le retirer. Ici, on peut pas en mettre un. Donc, celui-là, on le retire. Alors je crois que ça on l'avait déjà fait. C'est le même que je viens de faire celui-là. Ici. Ah bah voilà, d'accord. Très bien. Ici, on en met un comme ceci, voilà. Et du coup. Voilà. Et du coup. Parfait. Ok. Parfait. Oui, juste à regarder un petit peu. Et on redistribue la tension. Alors, pour configurer les commandes de tension, vous devez respecter les conditions de charge. Certains composants électriques fournissent une charge positive ou négative. Ok. Très très bien. Donc ça, c'est positif, je suppose. Ça, négatif. Ok. Attends, retire. Ah d'accord, tension visée 3, donc il faut être à 3. Ici, on met 1, et là, 2. Et il m'en manque.
manque un du coup. Voilà. Donc du coup, c'est ici que ça va pas. Donc, si je mets ça ici, ça fait pareil. Ah bah non. Voilà. J'avais pas vu qu'on en avait deux en plus deux. Je pensais qu'il y en avait qu'un. Très bien. Donc, bah donc on a fini de réparer le bras. Voilà, très très bien. Rien de bien compliqué. Voyons si ça marche. Alors, testons le bras. Comme neuf. Ah oui, il bouge déjà mieux là. Ah, Peter, c'est un petit génie, hein. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. Les projets de circuits courts sont désormais disponibles au labo. Très très bien. Ah, j'en ai passé des soirées dans ce labo. Une chance que le doc pense au ravitaillement. Par contre, j'aimerais bien qu'il achète plus de petits cubes de fromage. Il y a moyen d'aller un peu plus vite. Ça, c'est quoi ça, circuit? On essaie d'améliorer la composition des prothèses. Je devrais jeter un coup d'œil au développement du doc et vérifier son travail. Ah, c'est quoi ça? Cette station vous permet de travailler sur les projets de circuits électroniques. Ok. Ah, remporter de l'XP et d'autres récompenses en résolvant des projets. Très très bien, de nouveaux projets se déverrouilleront à mesure que vous progresserez dans le jeu. Ok. Précision de l'actionneur. Le doc essayait d'améliorer la granularité de l'actionneur. D'accord, donc ça c'est des petits... on peut en récupérer un ici, très bien. On peut récupérer des petits... des petits composants, ok. Donc là... voilà, ici. Ok. Pas mal. La réaction est super fluide. Ouais, je pense que ça ira de plus en plus durement dans la réalisation voyons si on des peut régler la force de préhension de la prothèse. De cela. Alors, tension visée 1. Donc ça, on va. Bah ouais, d'accord. Donc toi, de toute façon, t'es à ta place, très très bien. Donc toi, on va te remettre bien. Toi, par contre, et toi. Ah d'accord. Toi, on peut pas te virer. Ok. Donc ici. On va te mettre comme ceci. Toi. On va te mettre. Comme ça. Comme ça ici. On va te mettre ici. Là. Toi, on va te mettre. D'accord. Donc, c'est pas toi qu'on va mettre là. Ici, on va mettre un ici. Ok, donc toi en fait, je sais. Ah oui, d'accord, on va te mettre en dernier, toi, je pense. Et du coup, logiquement. Voilà! Parfait. C'est mieux. On devrait éviter les os broyés lors des poignées de main comme ça. Très très bien, donc les autres sont verrouillés. On ira voir ça un peu plus tard. Combien d'incendies nous avez-vous offert, Otto? 3, 4. Ouais, bon là ils sont. C'est à ça qu'on mesure notre progrès. De grandes découvertes sont venues. Ils sont en train de se chamailler. Le docteur Octavius est inaltérable. Ah, là on a un petit truc. Également. C'est le grand jour. Audit du comité de subvention. Nous sommes prêts.
Nos travaux ont avancé à un rythme inespéré. Je ne pensais pas qu'on parviendrait à ramener l'actionneur de traction à un seuil de tolérance acceptable, mais par cœur, ce garçon peut faire des miracles avec trois fois rien. Alors que j'étais prêt à commander une pièce détachée sur mesure, il est revenu du magasin de bricolage avec une bouteille de solvant et une brosse à dents. Et bingo, problème résolu. Ah, ce petit est un génie. Un génie toujours en retard. Déjà 10 minutes. Où est-ce qu'il est? Il n'a quand même pas oublié l'audit. Désolé de vous avoir lâché, Doc. Ok. Donc ça, c'est sympa, les petites interactions comme ça. Allez. Ah, il y a encore un... Peter, qu'on va l'écouter. Merci encore pour ces essais à l'aveugle. Ils sont essentiels aux avancées scientifiques. Tu sais, en préparant le prochain essayage, j'ai eu une idée. Tu crois que c'est vraiment le meilleur moyen de remplacer un membre? C'est idiot, je le sais bien. Mais je continue de me dire qu'il pourrait y avoir un autre moyen. Ok, allez. On utilise ça. Tiens, il suffit de le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Alors, l'objectif, identifier une substance inconnue grâce à son spectre d'absorption. Ok, utiliser des fragments de la substance inconnue fait correspondre les raies d'absorption avec le spectre. Ok. D'accord, bon là, il n'y aura rien de... Rien de dur. Passer les fragments sans emplacement disponible. Ok. Donc il y a juste à prendre les mêmes, hein, du coup. Toi, tu vas là. Et les trois bandes. Vous venez là. Composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Ok. Donc ça c'est fait, on a réussi. On doit quitter le labo. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. De nouveaux projets sont disponibles dans le labo. Tiens. Ah bah voilà, bon, on va se faire ça. Comme ça, on va prendre un peu plus d'XP. C'est pas plus mal, hein. Qu'est-ce que le doc faisait avec ça? Alors, les trois bandes... Là, je suis étonné hein, que ça soit aussi facile ces mini-jeux là. Après bon c'est toujours sympa mais bon après c'est que les premiers hein, donc c'est pas dit que ça se durcisse pas par la suite. Ok, passons au deuxième. On dirait un autre conducteur potentiel pour les prothèses. Ah! Donc là, il va falloir en mettre deux. Pour chaque truc. Alors, ok. Alors, où est-ce qu'il y aurait. D'accord, donc ici, les traits un peu plus gras, ça veut dire qu'il devrait y en avoir deux au même endroit, je pense. Donc, je verrai bien celui-là. Ouais, c'est ça. Et un seul au milieu. Peut-être celui-là. Non. C'est pas celui-là. Non, parce que là il y en aurait trop forcément. Ou alors justement celui-là il irait peut-être un peu trop bien. Non, celui-là il irait pas. Alors. Voyons voir. Alors toi déjà, à coup sûr, tu dois être ici. Et toi, je pense que je t'ai déjà trouvé. Ok, donc toi, c'est fait. On va commencer par le dernier. Ouais, toi tu m'as l'air bien ici. Ok, donc c'est le premier qui va poser plus de problèmes entre guillemets. Donc
Ah bah celui-là il irait bien. Et celui-là. Ah bah voilà, bah rien de. Rien d'insurmontable. Ah, un réseau interpénétrant d'hydrogel. C'est intéressant. Ce serait parfait comme interface dermique. Très très bien, parfait. Bah voilà, parfait. Bon. Bah il serait peut-être temps que on parte de, du labo, hein. D'accord, donc on les laisse embrouiller. Nous avons assisté à une réaction en chaîne extraordinaire dans le système limbique. Nous ne voulons pas de réaction en chaîne, nous voulons des résultats. Et vous en aurez, croyez-moi. Notre travail est un peu plus prometteur chaque jour. C'est vrai que cette réaction en chaîne était géniale. Ok. Apparemment, rien de spécial à faire. On va quitter le labo. Quand même sympa de pas avoir seulement que des phases en tant que Spider-Man, mais avoir des petites phases en étant Peter Parker. Ah, on a quand même notre notre costume. Spider-Man, c'est Yuri. Qui a pris un peu. Alors, de... puisqu'il est arrivé à Riker. Non, pas à Riker. De dégâts. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah, il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri. Je refuse rien. J'arrive tout de suite. On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. État de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer. Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom, c'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson. Qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez! Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné récompensé par deux Pulitzer? Ah non, je suis plombier. Oh, super! Alors réparez mes toilettes et fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? Il s'en tape! Il est passé à la télé. C'est tout ce qui compte. Ouais, bah n'empêche que je peux me fournir en tuyau de cuivre sans verser de bakchich. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens la reggae. Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux. Ou vous casser les jambes. Bonjour chez vous. Ah. Un jour, Jonah, j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sur moi. Tu verras. Bon, on est arrivé au poste de police, très bien. Je vous laisse un petit peu apprécier hein, les doublages et... Et les petites scénettes avec les paroles. Vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras le bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un spider smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis!
Si vous cassez, vous payez. Je croyais que vous me faisiez confiance. Très bien, donc... Jetons un coup d'œil à cette tour. Maintenant, on va devoir réparer les tours pour sûrement débloquer des parties de la ville, je suppose. Les fréquences d'entrée sont inversées. Subtil. Voilà. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous ? J'en ai sous le masque, hein ? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours ? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait, j'ai des unités pas loin. Pas la peine, je m'en occupe. Eh bien, on va aller voir ces méchants. Vas-y. Donc apparemment, on va pouvoir régler les petits délits qu'on repérera en réparant ces tours. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Ok, ça c'est sympa ça. Bah tiens, je crois que t'as mal à la tête. Ok, on a récupéré un jeton de crime. Ok, c'est plié. Merci. Et on est au niveau 2. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance. J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi ? Non, vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Alors ça, l'inspecteur Spider, ça je sais que... La personne qui fait la voix de Spider-Man dans ce jeu-là a dit que c'était vraiment une initiative personnelle de lui pour... Il avait improvisé un petit peu. Et apparemment, Sony lui avait laissé... carte blanche entre guillemets pour mettre un petit peu sa sauce dans cette version, dans la version française bien entendu. Alors c'est toi la balance. Et que du coup, dégage, ils avaient bien aimé et donc ouais, c'est resté dans c'est le bien jeu. Elle. J'ai dit dégage. Donc le nom de l'acteur hein, de souvenir c'est Donald Reynoux. Voilà. Boucle-la un peu. Donc il a une. Laissez-la tranquille. Oh non, Spider-Man. Il a une chaîne YouTube, dont vous pouvez aller voir son let's play de ce jeu-là. Alors, oui, non, d'accord, donc ça va être un peu comme Wilson Fisk. Arrête de faire le mariole ! Sérieux, mettez les pions ! Oula ! Ok, très bien. Dégage d'ici, où je la bute. Ah. Sauver l'otage avant la fin du temps imparti. Viser la cible avec L et appuyer sur R1 pour désarmer le malfrat. Ah, ça c'est très très sympa comme coup de gameplay ça. Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller ? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où,
Il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Bon. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Ok, donc maintenez dans un mur, puis maintenez R2 pour faire une course murale. Très très bien. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur ? Quoi ? Ah, elle est là-bas. Que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter. J'ai un peu de mal avec avec les immeubles. Alors la tour, elle est en haut. Très bien. Alors, ok. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que des crimes. La bonne taille. Voilà, on y est presque. Encore un peu. Bon, on y est là. Voilà. On a repéré quelque chose là-bas. Bingo! Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Un sac à dos. Ah, alors... Il est où? Course murale. Ok, très bien. Ah bah tiens, il est là. Oh, wow! Un des vieux sacs à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Alors, trouver des sacs à dos pour gagner des jetons de sacs à dos à utiliser pour améliorer votre équipement. Ok. Très très bien. Ah, on a quand même bien déverrouillé. Ah, puis vous avez vu, hein, mine de rien, la carte, elle semble petite, peut-être. Mais là... Ouais, il y a plusieurs quartiers, c'est ça. Et mais quand même, hein, c'est bien adapté, je trouve. Alors, appuyez pour afficher. Le menu de notre premier vrai rencard avec MJ. J'aurais aimé l'emmener dans un endroit plus chic, mais ça n'a pas eu l'air de la déranger. Très bien, donc ça, on a en collection, très très bien. Ah, en compétences, on en a des nouvelles. Non, c'est juste qu'on peut dépenser un point de compétence, ok.
Bon, bah tiens. On va utiliser ça. Toujours là ? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Spider s'en charge. Mi-homme, mi-araignée, 100% flic. Moi, en tout cas, j'aime bien l'humour de Spider-Man dans cet épisode-là. Oh là là, il s'est vautré. Mais bon, c'est Spider-Man, hein. Allez ! Non, même pas mal. Hey, salut ! Ah ! Spider-Man ! Tue-le ! Et voilà. Ah, il y en a d'autres. Il en arrive d'autres ? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. Ok. C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Spider va la réparer ? J'ai bien réfléchi, ah, on m'applaudit. Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Ah, Dieu merci, j'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider, l'infatigable... Yuri ? Yuri, vous êtes là ? Elle a dû être submergée par l'émotion du moment. Et voilà, celui-là il m'aura pas trop résisté. Ouh. Celui-là il nous a fait gagner beaucoup d'expérience. Parce que je pense que la mission doit être terminée. Oh non, j'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. On va faire ça. Alors, je sais que on peut avoir docteur, comment d'autres ça s'est passé avec le comité costumes. Je suis désolé d'avoir tout raté. Mettre. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger ? Non, non. Je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille. Il devrait y avoir une tour, je pense, quelque part. Balance un peu dans tous les sens là, Spider-Man. Ok, allez. Appuyez sur L3 pour vous percher sur un robot. Demande d'intervention sur un cambriolage.
Intervention immédiate demandée dans Chelsea, terminée. Je crois qu'on a vu un... On va laisser en occuper. Alors, je vais peut-être de l'autre côté. C'est cool, on peut se balader. Mais c'est où ? Ça suffit ! Hé ! Regardez par là ! Ouais ! Mon petit ah bah voilà, ces gens n'habitent pas ici. Fisk disparaît et soudainement, c'est la foire du crime. Tu peux me faire tes prières ! Oula! C'est bon, fini de jouer! Ah, il y a des objectifs bonus également. Bah, je pense que vous c'était le dernier, non en prison. Et parfait. Je trouve que vous soyez meilleur en évasion qu'en effraction. Très bien. Bon. Bah, ça, c'est fait. Allez, on va aller réparer notre costume et puis on s'arrêtera ici. Pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Rien de spécial. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Ok, alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Circuit électronique. On en a des nouveaux, très intéressant. Bien. Le doc est en train d'intégrer un système basique de cartographie spatiale. Bon. Alors peut-être que ça, je le ferai en off, peut-être. Juste pour avoir des petites expériences. Vous pourrez me le dire également hein, si ça vous intéresse que je le fasse... que je le laisse pendant les vidéos, mais... Voilà, je sais pas si... S'il y aurait grand intérêt à le montrer. Tiens, alors ça c'est bizarre. Parce que là j'en ai plus. Oh, on va faire ça. Je pense que c'est fait exprès. Voilà. Comme ceci. Toi, tu viens là. Et toi, tu viens là. Voilà. Trop cool. Les bras pourront se situer dans l'espace comme ça. Ça devrait contribuer à la sensation des membres.
faut régler le gyro des bras sur orientation auto. Ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc ça, on peut pas les retirer. Ok, donc ici. Là, donc là, il faut avoir 4. Donc on va déjà mettre un plus 1 ici. Là, on va mettre... alors, attends, parce que du coup, c'est pas ça qu'il faut mettre ici, c'en est un comme ça. Ou alors... Un plus 2. Non. Attends, est-ce que moi, je mets... Ah ouais, non, d'accord, ok. C'est moi qui voyait mal, ok, d'accord. On va passer par ici. On va en mettre un là. Alors du coup... Non. Attends. Parce que si j'en mets un là... Non. Pour moi, il faut bien partir par la droite. Donc ici, je mettrai un plus 1. Ici, j'en mettrai un comme ça. Ici... Voilà, il fallait tout simplement le faire tourner, très bien. Donc là, on est à 3. Après, c'est un moins 1. Donc peut-être que ici, on mettrait un plus 1 pour avoir 2. Ici, on en remettrait un pour avoir 3. Ici, on va faire ça. On va faire ça. Ok, donc toi tu passeras pas là. Donc toi tu passes pas là. Donc toi. Voilà. Ici. Voilà. Ici, bah, je mettrai bien 1 plus 2. Voilà. Comme ça, ici, on va en mettre un par là. Ici, ah, il n'y en a plus. Comme ça, voilà. Et on est à 4. Voilà. Voilà. Avec ça, ça devrait aider le porteur de la prothèse à maintenir son équilibre. Très très bien. Le doc tente de réduire la consommation énergétique globale de la prothèse. Ouais, ça commence à être un peu plus ardu, là. Donc là, on doit avoir 8. On part d'où ? On doit partir de là. Donc faut obligatoirement être ici. Donc là on peut se mettre déjà à moins 1. Ensuite ici. Parce que de toute façon on va falloir passer partout. On va à moins 1. Donc là on va se mettre à moins 2. Voilà. Ici, on va passer par là. Ici, on va se mettre un petit moins 1. Encore un moins 1. Ici, on va se mettre... Un plus 5 pour être à 8. Enfin, à 0. Très bien. Donc là... Voilà. Comme ça, on va pouvoir se mettre... Ouais, on va pas être bon, là. On va pas être bon. Alors, attendez. 4. Ah bah si, c'est bon. 4 et 8. Bah ouais, si. Pourquoi on n'aura pas été bon? Super. Beaucoup plus efficace.
et plus sûr aussi. J'avais un doute de si je m'étais trompé, mais non. Pourtant, moi qui suis pas un très grand fan des maths et qui est vraiment une quiche... Il faut vraiment qu'on optimise l'organisation de notre espace de travail. La visite du comité a été une catastrophe, mais elle pourrait être l'inspiration qu'il me fallait. Nous ne devons pas nous contenter de respecter leurs attentes. Nous devons les dépasser. Ah voilà. Si c'est lui qui le dit. Ok, donc ça on l'a réparé, très bien, on s'en fout. Ah, un jeu d'échecs. Ok, rien à faire. Ici. Rien à écouter. Rien à manger. Ah, si. J'adore le café au travail. Vive les subventions. Ah, j'en ai passé des soirées dans ce labo. Une chance que le doc pense au ravitaillement. Par contre, j'aimerais bien qu'il achète plus de petits cubes de fromage. Alors, voyons voir si... Ah ouais, il y en a des nouveaux. Spectrograph. Bon, ça, normalement, ça va pas durer longtemps à le faire. Qu'est-ce que le doc faisait avec ça ? Ouais, donc ça, on a compris. Très bien. Ah, d'accord, il y en a qui sont rayés. Alors, les rayés, ça fait quoi ? Ça change rien. Très bien. Alors. Ah, bah voilà, oui, parfait. Les rayés, ça sert à supprimer. D'accord, très très bien. Ok, très bien. Donc, je suppose que là. Ici, ça va être ça. Toi, je te sens bien venir ici. Voilà, parfait. Et toi. De toute façon, il n'y en a pas 36 000. Donc il y en aurait deux à virer. Et par élimination, on s'est trompé quelque part. Ok, donc ce n'est pas toi. Parce que si moi je te mets là, il en reste toujours une. Ça, c'est sûr que ça va là. Mais pourquoi ça ne va pas là? Pièce non valide. On peut pas les... On peut pas les tourner. Peut-être que justement... Non, je crois que... Je crois que j'étais bien parti dès le départ. Hein. Alors attends. Toi tu vas là. Donc, toi forcément tu vas là.
Alors, soit il me manque des pièces. Soit il y a un truc que j'ai pas compris pour celui-là, parce que... Ouais. Bon. Pas trop compris pour celui-là. On verra ça un peu plus tard. On va aller réparer le costume. Et puis ça sera déjà bien. La remise des diplômes, ça me paraît tellement loin. J'étais en stage avec le doc. C'est lui qui m'a appris que je pouvais apporter autant au monde dans une blouse blanche qu'en collant. Voire plus. Le doc a fait de grandes découvertes pendant toute sa carrière, mais il s'est toujours fait éclipser, souvent par Oscorp. Cette fois, ce sera différent. Ok, bon, rien de... bien spécial. Peter, Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien. Je te laisse travailler. Regarde tes mails. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Très bien, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite de Spider-Man et pour la suite des autres playlists en cours. Salut!